Les troubles du comportement alimentaire chez l'adulte se groupent sous forme de trois grandes formes. L'hyperphagie boulimique, qui est la plus fréquente, et toutes ses variantes de troubles compulsifs avec une prise de poids. La boulimie, donc des crises de boulimie et des purges. Et l'anorexie mentale et toutes les variantes de troubles du comportement alimentaire restrictif. On considère actuellement que 10 à 13% de la population adulte est touchée par un TCA, plutôt 16% chez les femmes, 10% chez les hommes. Les troubles compulsifs représentent 50 à 60% et viennent ensuite les troubles mixtes autour de la boulimie et les troubles restrictifs autour de l'anorexie mentale.